Salut. Voilà, on a deux lits, on ne sait pas pourquoi, mais bon. Alors, on va aller voir la vue. On a un petit balcon sympathique. La vue sur la piscine et la plage en même temps. Superbe vue. C'est pas mal, hein? La Guadeloupe, la Guadeloupe. On est descendu voir la plage de l'hôtel. Il y a plein de palmiers. On est tout seul. Bien. Derrière, c'est l'hôtel. Voilà. Plage bis. Que demander de mieux. Jet ski. Et là-bas, il y a des jet skis. On va pouvoir faire du jet ski, c'est cool. On va aller à fond. Alors, on va voir si l'eau est chaude. Ça va. Voilà. Pas trop froide et pas trop chaude. C'est un petit peu frais quand même, mais une fois qu'on sera dedans, ça va. Jet ski. Cadre de luxe. Bon, ben on va aller manger et après direction Pointe-à-Pitre. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour nous? Thank you.
Alors, on vient de faire le Memorial Act, c'est très bien. C'est un mémorial sur le passé esclavagiste de la France, tout ça, donc tout ce qui concerne l'esclavage, la colonisation, l'apartheid, la ségrégation, enfin voilà, c'est vraiment toute cette histoire-là. Donc on a les Antilles, l'histoire des Antilles, on a l'histoire de l'Afrique aussi, on a l'histoire des États-Unis, on a l'histoire des colonies. Et c'est très 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 intéressant, c'est vraiment quelque chose à voir. Il y a des tableaux, il y a des vidéos, il y a beaucoup de décorations. On a vu les bateaux, on a vu comment ils entreposaient les esclaves dans les bateaux, on a vu comment vivaient les esclaves dans les colonies, comment étaient classés les esclaves, puis après on voit aussi comment ça se passe après l'esclavage. On a vu aussi que Bonaparte apparemment a remis l'esclavage. Ouais. Ça a été très très dur, tout ça. Il a dit « La liberté est un mets pour lequel l'estomac des nègres n'est pas préparé. Ouais. » Ha ha ha. Et sinon, c'est très très bien. C'est très très bien. C'est triste. C'est triste, oui. Mm. C'est quelque chose de l'histoire et c'est très très bien qu'il y ait ça. C'est un très bel endroit et voilà, il faut le faire. Bon, ben, on va changer les idées. On a la piscine pour nous tout seuls. Voilà. Il y a des gains. Grand bain, petit bain, tout est pour nous. Piscine privée. Donc là, il y a une petite averse. Et du coup, ben, tout le monde s'est caché. Mais comme nous, on n'a pas peur des averses, ben, on est là. On va essayer de noyer sa carte. Alors, on va vous montrer ce qu'on a acheté au marché de Pointe-à-Pitre. Une petite bouteille, ça se présente comme ça, avec le petit madras. Un punch Alexandra. Donc, je sais pas trop avec quoi c'est fait. Là, il y a un punch passion ananas. Donc, le petit palmier. Punch coco. Bois de loupe. Voilà. C'est bien rose. Limite, on dirait sirop de fraise. C'est bon. Et la vue. Le soir.
la piscine qui s'allume. Et là, on a vu sur la petite plage. Coucou, il est super tôt, on est en route pour la cascade aux écrevisses. C'est parti. Donc là, on arrive sur la route de la traversée. Je vous montre. Cousteau, on va faire 3 heures d'excursion en mer. Donc là, on va partir et on va aller nager avec les petits poissons. On va voir s'il y a des tortues. Voilà, on va aller dans l'eau pendant 3 heures. Je suis ravie. Voilà, j'espère qu'on va s'amuser. On vous dira ce qu'on en a pensé. Et s'il y avait beaucoup de poissons et des tortues. Et peut-être des dauphins, on sait jamais. A tout à l'heure. 150 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur route de la traversée.
c'est là, hein. On se gare là, sinon. Dans 200 mètres, votre destination se trouvera sur la droite. Non, non, on ne parle pas. Ça y est, on revient de la petite excursion. Donc on a fait 3 heures. On est allé, on a mis nos petites combinaisons. Ensuite, on a pris le bateau. On a fait 15 minutes en bateau. Direction Île des Pigeons. Et là, on a vu plein de petits poissons. Poisson chirurgien, poisson perroquet, sergent major. On a vu le corail de feu. Donc ça, faut faire attention parce que c'est dangereux. Et voilà, on est resté une petite heure. On a nagé. On a vu les poissons, c'était cool. Et après, on a repris le bateau, encore un petit quart d'heure. On est allé à la baie de Malandure. Et là, on a vu les tortues. On a vu une jolie tortue verte. Donc, apparemment, elle avait à peu près 20 ans. Elle est remontée pour respirer, tranquille. Elle faisait sa petite vie pépère, on ne l'a pas dérangée. Et après, bah, on a vu aussi les petites étoiles de mer. C'était cool, elles étaient jolies. Voilà, par contre, bah, faut pas toucher. Déjà, ça peut être dangereux pour nous. Et puis, c'est dangereux aussi pour l'environnement. Parce que quand vous touchez des choses, bah, ça peut les tuer. Et surtout les étoiles de mer, faut pas les sortir de l'eau. On respecte toujours la nature. Voilà, ben excursion au top. Si vous voulez la faire, ça vaut le coup. C'était top, top, top. On a vu la réserve Cousteau et maintenant, direction le jardin botanique. J'espère que ça va être bien. On va voir plein de belles choses. Allez, à plus.
bon. Qu'est-ce que tu fais, Sacha? Je sens la nature. Et ça sent quoi?
petite baignade avant de faire le jet. J'ai craqué pour un baba au rhum de bon matin, un peu de rhum, voilà, il est super tôt, j'espère un peu de rhum ça va me réveiller, être de bonne humeur. Donc là, on est à la plage, Bois Jolane.